Salut à tous. Eh bien, comme vous avez pu le voir au titre, à l'écran, nous concentrons encore sur Elden, toujours sur la deuxième partie une fois de plus. Ma foi reprend là où je me suis arrêté. Et du coup, je pense que je vais aller continuer cette fois-ci la partie de droite. Donc, toujours dans la deuxième zone, hein, où il y a l'académie. Donc juste précédemment, j'avais fait le village des Albinoriques, qui est juste là, rencontré deux PNJ. Bref, tout ça, longer cette petite côte. Et du coup, j'étais arrivé jusqu'à cette grotte, aux eaux stagnantes. Donc là, hop, je vais remonter par là, refouiller un peu tout ça. Et puis ma foi, bah, c'est parti, hein. Ah, nickel. Je crois qu'un petit coup sur les lunettes s'impose un peu quand même. Voilà, là, je vais essayer de remonter sur cette zone là. Du coup, c'est calme. Pourquoi il y a un point ici? Donc une fois de plus, hein, je le rappelle pour ceux qui ont éventuellement pas fait le jeu, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois, fouiller, coller les bords, parce qu'on n'est jamais à l'abri de louper une grotte, un truc comme ça. Faut vraiment pas hésiter. Ou même un PNJ, tu vois, qui est apparu à cette zone, qui attend sagement qu'on vienne. Etc. Limite, il faudrait presque aller voir sur internet. Hein. J'ai pu toutes les quêtes, hein, des PNJ et te faire un ordre dans lequel aller les voir et tout à tel ou tel endroit. Au moins pour être sûr de pas les louper, tu vois. Ça, à la limite, ça pourrait être bien de faire une soluce comme ça. Ouais, ça pourrait être pas mal ça en vrai. Comme ça, au moins, tu sais où tu devras aller. Tu vas pas chercher pendant 20 ans comme un con les PNJ. Ça peut être bien. Ça me tenterait presque, tu vois, de le faire, mais bon, ouais, je suis plus assez de temps pour ça. Que ça, on se fait une cale. Oups, moi est touché. Eh ben, ça, je voulais juste courir avec le cheval, mais bon, c'est pas grave. Même ici, tu vois, quand tu les affrontes, tu sens que ça arme un peu, tu sens la lourdeur dans le gameplay. Alors qu'avant leur dernière mise à jour, c'était pas le cas, quoi. Ah, ils sont chiants. Franchement, From Software est toujours aussi doué pour optimiser les jeux. Ah, c'est sûr, le jeu est pas moche, hein. Là-dessus, on est d'accord, quoi. Bah, sérieux, quoi, ils auraient pu optimiser un petit poil plus, quoi. Quand tu te sors des patchs marqués. Stabilité des performances accrues, avec, non, 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 non,
Stabilité des performances amoindrie plutôt les heures du maintien. Bon, ici, de toute façon, j'étais déjà passé. Déjà, j'ai plus de laine là-dessus. Bon, j'ai pas trop de solutions. Test. Ouais, t'es d'accord. Bon, du coup, c'est pas ce que je fais. C'est pas ce que je voulais non plus, j'ai juste appelé le cheval, ça fait une émeute, ça n'a pas changé, ça a toujours pas réglé ce souci là. Alors, je suis où, du coup? Pourquoi tâche de sang, oui, il y en a un qui a tenté le sang, bam. Et qui s'est foiré. J'ai eu de le tenter, mais je sais que j'ai une foiré aussi, tu vois. Ça se trouve, on peut pas y aller. Oh putain, ouais, tu me penses. On est repoussé. Je comprends pourquoi il a pas réussi. Puis, bon, on voit bien que c'est fermé, mais on sait jamais, c'est peut-être un mur illusoire, tu vois. Ouais, c'est ça que je cherche. Non, il y avait une grotte là-dedans. Elle doit être en contrebas.
pique, hein. Ah oui. Ah, pas moyen. Pas moyen. Bon, j'ai touché le haut, mais dès que tu le touches, t'es repoussé. Oui, on peut pas y aller. Faut pas chercher. Ouais, faut vraiment être super précis quand même. Ah, c'est possible. Faut pas qu'ils aient été sadiques et que ça soit vraiment mieux les armes. J'y arriverai pas, tant pis, allez, je m'abandonne. Bon, ça marchera pas. C'est chaud quoi, ne pas toucher le bord en haut, super chaud. Ça va pas être possible. Ouais, bon, ça c'est peut-être possible, mais ça se trouve, je serai repoussé quand même. Alors, ce truc, t'as genre, j'ai tourné 20 ans autour du truc, ça aurait fait à la ramasser quoi. Ouais, c'est ça, moi aussi je t'aime. Un petit jour. Oh, le con, elle manque. Ouais, non, il n'y a vraiment pas moyen. Même sans toucher le truc, on voit qu'il y a une espèce de mer invisible qui repousse. Ah non, que c'est mort de chez mort, quoi. Ouais, je ramasse les âmes et pierres. Hors d'école. Ah, je t'ai tué des fois. J'ai envie d'essayer. T'as cru que tu ne m'aurais pas, hein? Mais manque. C'est chiant, hein. Bouger quand tu tournes la caméra comme j'ai l'habitude de faire dans pas mal de jeux, avec un jeu qui rame, putain, ça te donne mal la tête, laisse tomber. C'est chiant. Alors ce qui est trippant, c'est que j'en vois beaucoup marqué. Non, non, moi le jeu il est nickel, ça rame pas. Si, si, ça rame mon gars, le jeu est développé comme ça sur toutes les PS5, il tournera pas mieux sur la tienne, hein. Je précise. Hein. C'est juste que t'as des yeux de merde et que tu le vois pas. Hein, qu'on soit d'accord. Ça me fait toujours tripper quand je vois un mec dire que non, non, mon jeu il rame pas. Ok, mais bien sûr. Mais bien sûr.
c'est encore plus flagrant que la dernière mise à jour, laisse tomber quoi. T'as des zones où ça ramait pas avant et maintenant paf. La passe que tu prends dans la tronche. Je te parle même pas de l'apparition de certains mobs qui spawnent à travers le sol et tout, qui te font ramer le truc là, laisse tomber. Enfin qui spawnent à travers, qui sortent du sol quoi. Comme certains mobs. Et ça te fait vachement ramer le jeu alors qu'avant c'était pas le cas. Ah, de mémoire, il y a des petits cons dans ici. Ah tiens. Ah, ce ballot, ça t'a pas eu le temps. Mais moi, je peux te vermis ça. C'est le gosse. Ok, c'était pas ici qu'il y a une grotte. Bon. Ma foi. Tiens, Fox en mode 2. Bon, bah pour ceux que ça intéresse, vous savez où choper ça. Ah bah si, il y en a bien. Ok, putain quand j'ai passé devant sans avoir. Cool. Ah bah c'est les catacombes. Cool. Alors dis quoi, t'étais où toi? Ok. Oh, c'est à l'opposé des ruines quoi. Un peu de choses près. Des mortifères niveau 2, cool. Pour ceux que ça intéresse aussi. Je rappelle que le muguet permet de monter le niveau des cendres que vous invoquez, pour ceux qui savent pas ou qui connaissent pas. Vas-y, qu'est-ce que tu fais toi? Je suis pas encore avec le team agresse quoi. Ah ça sert, mais c'est ici qu'il y a une torche hein, avec ta programmation, frère. Mais casse-toi, qu'est-ce que tu fais toi? C'est des merdes.
Genre, j'ai le bouclier levé. C'est un peu ridicule. Ah mais je kiffe ça quand t'as le bouclier levé que t'en prends plein la tronche, tu sais pas pourquoi. Il t'en fait le même coup après, mais étonnamment, t'arrives à le garder au bouclier quoi. Tu sais pas pourquoi. Non mais si ça marche une fois, ça va marcher les deux. Hein. C'est pas genre tu te fais toucher la première fois et ça marche seulement après quoi. Dommage. Gros pas battu au bout, certains pour ouvrir la salle. Niveau 3, un pack. Ah, faut pas hésiter à essayer de taper les murs quand vous avez des doutes. Hein. Il y a des murs illusoires dans le jeu, je le rappelle. Hein. Donc faut pas hésiter. Les arcs chroniques, tu vois, ça me fait trop penser au système de transformation Yukai de niveau, enfin de Nioh 2. En fait, le truc est complètement inutile à mon sens. Alors c'est vrai, on peut les farmer dans le jeu sur certains mobs, et certains te diront, bah t'as qu'à farmer. Ouais, mais pour moi, n'empêche. Il n'y a aucun intérêt d'intégrer un système de runes qui t'oblige à utiliser des arcs runiques pour pouvoir t'en servir. Tu vois, aucun intérêt. On aurait simplement dû pouvoir l'équiper et c'est tout. Changer quand on a envie d'en équiper une autre et basta. Non, non, il t'oblige à utiliser un objet pour ça. Du coup, si tu as la flemme de les farmer, bah t'en as pas et donc tout le système de runes part à la poubelle. Et ouais. Donc ça fait un peu comme la transformation en Yokai de Nioh 2 qui sert strictement à rien. Cool. Bon. Je rappelle que ça n'est que mon point de vue. Je précise. Ok. Assez le jeu. Je kiffe. Alors ça aussi c'est un peu abusé je trouve. Tu mets la clé, t'as le message qui apparaît. Tant que t'as le message, tu peux appuyer sur les touches, ça lève pas le bouclier, ça frappe pas. Du coup tu te fais toucher bêtement. Tu appuies triangle pour enlever le message. Du coup ça n'a pas marché. Du coup tu te mets en garde, ça ne marchera pas. C'est bien, hein. Merci hein, les développeurs. Des fois ils sont un peu chiants. Hein. Alors, au miroir knock rien. Knock rien, ouais, drôle de nom. Enfin bref, hop. Nouveau homme. Sur ça de prix. Qu'est-ce que t'as porté toi? Ouais, pas trop d'intérêt.
Faire activer le piège, tiens, j'aurais mieux fait de pas vouloir. Je suis touché bêtement comme un con. Oh, une faux. Allez, il y a que ça en bas. Mais tu me laisses taper sinon, ou comment ça se passe? D'accord, les flammes sont parties, mais genre t'es pas touché. Mais bien sûr. Ouh! Salut tout. Ok. Voilà pour ceux que ça intéresse. Cool. Bon, bah une cendre de plus, impeccable. Je pense que le cas, je vais quand même prendre le temps un peu de regarder les vidéos que j'ai fait sur cette deuxième partie. Et puis essayer de montrer un peu, vraiment sur des vidéos séparées, où choper tel ou tel truc, etc. La manière de les choper, enfin bref. Ah vas-y, t'as pas à côté, il est loqué hein. Putain, il m'agace des fois ce jeu quand même, mais sérieux hein. Putain, un système de lock, genre ça passe à côté quoi. L'autre il bouge même pas, il y a pas de raison hein. Son corps il bougeait quoi. C'est pas comme s'il avait fait... Enfin c'est pas comme s'il avait fait une esquive ou une connerie comme ça quoi.
Tout ce que j'ai mis en gros coup, j'aurais tanké sur la fin. Ici. Bref, allez, une deuxième cendre. Impeccable. Logiquement, il doit y avoir un coffre. Il n'y a pas un celui-ci, un fichier. Tant pis. J'espère un coffre avec une mortefleur, mais il n'y en a pas dans celle-là. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, ça fasse. Bon, les catacombes au pied des falaises, ça c'est bouclé. Je reviens, je regarde un petit peu mes screens, voir un petit peu ce que je peux faire d'autre ici. J'ai les ruines, il y a la tour à gauche de Liorna. Je sais pas si je l'ai faite la tour, j'ai pas l'impression. Peut-être que je suis passé facilement à côté. Ça, c'est un bord de socket. Faut monter. Bouh! Tu as manqué. Ça le gosse. Autant il peut être magnifique, mais alors autant des fois quand même. Ah bah tiens, la statue qui devait m'indiquer la grotte. Enfin la catacombe. Alors quand t'as les catacombes, t'as toujours une statue de toute façon qui te l'indique. Bon, après faut encore tomber sur la statue quoi. Alors comme j'allais dire, du coup autant ce jeu peut être magnifique, autant des fois. Oh, moyen quand même, hein. Quand t'as un effet de brume comme ça, pas très beau, hein, où le jeu est quand même nettement moins propre, hein. Ou en tout cas moins net, je suis pas fan. Mais bon, là, je chipote un peu. Là c'est mieux, c'est vraiment plus propre. Par contre ça rame. Et c'est moins cool. Donc finalement c'est pas mieux. Ça en face. Là tu chantais pour rien. Ouais, mais c'est un peu risqué quand même. Hein. On va faire demi-tour. Ça passera pas. C'est très sympa.
Donc ça me faisait passer ici. Et avoir déjà pris une mandale par ce même crabe. Ah, mais c'est où l'essentiel, Mr. Alexander? C'est bizarre quand même, parce que je l'ai déjà croisé avant, plusieurs fois. Je crois pas avoir trop avancé dans l'histoire. Un peu bizarre que ce soit pas là. Ou alors j'ai peut-être pas assez avancé. Ah, c'est possible. Je l'ai peut-être déjà vu. Ouais, c'est possible. Le problème, c'est qu'il commence à y avoir plus d'une quarantaine de vidéos, donc c'est un peu compliqué pour tout se rappeler. Tant que le jeu est tellement vaste. Ça rame, putain. Eh sérieux, avant je passais 6, ça ramait pas autant. Franchement, c'est pénible. Je supporte pas quand un jeu rame comme ça. Autant ça restait supportable avant, autant là. Ça agace un peu. Ah, quand t'es dans un jeu d'exploration total comme celui-ci, et que ça saccade comme ça, c'est vraiment pas cool, quoi. Bon, d'autant que le jeu est magnifique, hein, mais. Si ça rame, ça sert à rien, quoi. Pour t'arracher les yeux, là, et te foutre un mal de crâne, laisse tomber. Puis bon, je vais pas me dire que je vais le jouer en 30 images, mode résolution, parce que 1, il est pas plus beau, en mode résolution. Et 2, je suis même pas sûr que c'est les 30 images, ça ressemble plus à du 25. Ce qui est pas très bon non plus. Bon, une fois les yeux habitués, hein, ça va encore, mais. Ouais. Après, le gameplay est bien lourd. Ça paraît nettement moins fait du tout. Oui. Tu vas mourir, je pense. Ça me gosse. Ah, je suis allé aussi loin. J'espère que ça va être au-dessus. Ah, les petits gros gros comme des trop choupis. Enfin, donne-moi l'objet. T'as suce pour ça en plus. Thank you.
Ne sois pas agressif comme ça. Pour ton bien, quoi. Toi, Bidek. Vas-y, laisse-moi passer devant, tu vas voir, toi. Ce que tu vas prendre. Comme dirait là, putsch. Toi, quand tu exploses quelque chose dans un jeu, tu fais boum. Alors elle fait putsch. Voilà, envolé. C'est comme ça. Oh, c'est un peu haut. Oh, j'entends un truc. Juste pour ça, c'est... Regarde si c'est un point de départ. Bien joué, mon vieux. Bon, mais du coup, on va faire le tour. Hein. J'ai revenu au point de départ. Quoi. Donc, j'avais hésité à traverser. Trop fort. Ah, moi c'est la tour que je cherche. Comment? Pourquoi je t'ai pas encore mis ici? Bon, bah manuel de plus, ma foi. Manuel d'artisan des pierres d'éclat. Je sais que ça doit être ça. Objet que... Non. Si.
Alors, traité des techniques artisanales abandonnées par un artisan des pierres des Klaus au service de l'académie. Contient des informations sur ce qu'on appelle les fausses sorcelleries. Alors, enseigne la fabrication de l'élément suivant, peau d'albinoric. Ok. Peau. Autant pour moi. Quelqu'un fait gaffe qui précisait ce qu'on avait. Ah, tu vois, quand tu regardes pas la description. Bon, bah, impeccable. Une chose de plus. Ça pique, hein? Elle va faire de deux. Ah, mais il a quand même question intéressante ici. Alors, bâton, lame éclat de carrière. Lame éclat, c'est un peu bizarre comme nom. Alors, cela, ouais. Les sorcelleries de lame éclat. Bon, on regardera ça plus tard. On va prendre de toute façon. Vas-y, un enculé, il avance à 2 à l'heure, j'ai regardé beaucoup trop fort. Putain. Bon, c'est vrai que cette épée est puissante, mais j'ai vraiment pas de portée avec. Je trouve pas tellement que ce soit une surprise dans un monde où t'as la végétation. Bon, c'est comme en vrai, t'as des danses avec des petites bêtes, tu vas dans la végétation. Ça c'est parce qu'il passe trop de temps devant la console. Il sait pas qu'il y a un monde, tu sais, autour de lui. Non, je déconne, je taquine. Ouais, je déconne. Pas dans le sens où il y a rien. Hein. Il y a des petites bêtes quand même, des insectes, tout ça, tout ça. Il y a de tout. Des petits rampants, t'as senti l'araignée là? Enfoiré. Bon, du coup la partie là c'est fin. Alors, bon, de toute façon j'aurais plus trop le temps de faire autre chose. On a déjà au bout des 1 heure. Alors je fais les couvertes seul ou pas encore? Non, il est censé avoir une cabane, je vais essayer d'aller là-haut. Action 5.
contre leur contrebas. Ouais, ça. C'est cabane en contrebas. Merde, je peux pas y aller. Puis si on n'y accède pas par une grotte à cet endroit. Ah bah non. Hop. Viens par là toi. J'aurais peut-être le temps d'aller en bas. Charbourg, cool. Ça fait un peu haut là, non? Il n'y a plus rien? Il fait qu'il sort l'arbre. Ah, cool. Je vais finir par un petit théâtre. C'est chier. Putain, j'ai bouclé. Ah, vas-y. Enfoiré. T'es un enfoiré, le jeu. Me tue pas, putain. Juste parce que je suis bloqué, on le bloque pas à la limite, mais me tue pas, quoi. C'est dégueulasse. Putain, j'ai tout à route à refaire. Hein. Ah, vas-y. Genre. Genre. C'est dégueulasse. Ah, je déteste cette logique. Alors, c'est bien en un sens, parce que si t'es vraiment bloqué à l'état pur. Au moins le jeu finit par débloquer et tue automatiquement, mais là je veux dire, je sais pas, t'arrives le cheval, c'est bon quoi, je peux passer à travers l'arbre ou sauter. Mon enflure. J'aimerais bien au moins arriver au feu de camp quoi. C'est quand même des morts ici. Attends. Yes. Un pec. Ah, ça sent mieux. Impeccable. Voilà, du coup on va s'arrêter là. On reprendra ici la prochaine fois. À plus tout le monde.